Maxime. Mino, ça fait deuxième victoire? Quatrième victoire. Deux victoire. Avec Piviti, deux avec M. Sayo. Demain, nous avons deux matchs encore. Okay. Il y a 10h50 avec les. Ça a 9 ans et ça a 14 ans. Nous avons vers 9h du matin. Alors, Mino, j'aime moi, il est pour finale, lui là. Bon, on espère ça. Nous venons jouer, nous venons faire le 100% de nous-mêmes, nous venons représenter Haïti. Nous venons faire tout ça qu'on est capable. Le jeu qu'on est capable, là, nous faisons ça qu'on est capable. C'est ça, Mino. Thank you so much. Merci, monsieur. Merci. Bye bye. Alors ça c'est U14 et Minovob. Nous Kochita là. Nous Zenon Jean-Baptiste et Kochita là. Et qui est en une belle victoire là avec U14 là. Et Kochita là. Comment nous est? Coach, et moi faut un travail extraordinaire là avec et U14 c'est pas ça? Ouais. U14, ça fait deuxième victoire coach. Bon groupe, côté que tu me suis vraiment quelques jours à travail. Ça fait nous plaisir que je dis à enfin nous qualifications pour une finale. Nous espérons que nous sommes capables de récupérer pour que nous représentions le pays encore une fois dignement pour la finale. C'est ça. Alors, Idala, men, félicite du bon travail. Minga, des M. Zokabula, moi, j'ai un avenir. Football, non, j'ai un avenir. Là, coach. Oui, bien sûr, on connaît. On dit que nous sommes bénis dans les affaires football. Timonjou Sarro, c'est monsieur qui a fait l'école, mais qui n'attend pas, il n'attend pas Libyen, il fait football. Nous avons la possibilité de travailler avec eux. Vraiment, c'est un projet qui est assez intéressant. La majorité là, non seulement je joue pour Chana, mais je joue pour Jolet pour pendant la vacances là. Okay. Donc, je connais, tu as toujours béni, chaque petit monsieur qui jouait. Qui veut nous ballon football, il est capable de faire son rôle là. Donc nous espérons que vraiment, on est capable de faire différence dans la finale là. C'est ça. Alors, coach Itala, je souhaite bonne chance, mais j'espère que merci. Nous remportons comme ça. Merci, Rudy. Merci. Thank you, Itala.